Enchanté, c'est Herman. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation, l'unboxing et le test d'un petit appareil que j'ai acheté une soixantaine d'euros. Voilà, c'était sur le Facebook Market, la marketplace de Facebook. Voilà, exactement. C'est un enregistreur vidéo pour du coup faire de la capture lorsque l'on joue à sa console. Peu importe laquelle, on va voir ensemble ça tout de suite. Et puis voilà, ça nous permet bien d'enregistrer les gameplays. J'en avais besoin, je voulais pas mettre 120 euros puisque c'est le prix logiquement d'origine de cet appareil. Et je voulais pas mettre 120 euros là-dedans. Je trouvais ça bien trop cher. Et du coup, j'ai réussi à le trouver d'occasion sur le marketplace. On découvre ça ensemble et je vous souhaite la bienvenue sur. Alors voilà à quoi ça ressemble. Voici la boîte de l'objet, c'est un Navermedia, donc le Game Capture HD 2. Et ce petit boîtier eh bien, va nous permettre d'enregistrer nos gameplays de console en 1080p. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dans la boîte, et puis on va le tester pour voir s'il fonctionne correctement. Et puis voilà, c'est parti. En tout cas, ça pue. Ça sent le parfum, très fort le parfum. Il y en a, je sais pas ce qu'ils font avec leurs affaires, mais ça sent très fort le parfum. C'est pas franchement agréable. On a ici la petite notice, le boîtier juste là. Alors donc, on a plusieurs boutons en façade avec une prise micro, casque et une prise USB qui permet tout simplement de venir brancher du coup une clé USB. Puisque ce boîtier peut fonctionner aussi avec un disque dur. Et du coup, le gars qui me l'a vendu avait laissé le disque dur à l'intérieur. Alors, c'est un disque dur de 640 Go. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal d'enregistrements avec. Il est de marque Western Digital. En espérant qu'il fonctionne correctement. Et comme vous pouvez le voir à l'arrière du boîtier, on peut du coup venir brancher différents types de consoles. Donc on peut très bien être en VGA, donc tout ce qui est vieille console, logiquement ça devrait passer dessus, il n'y a pas de souci. Eh ben non, j'ai parlé trop vite. On ne peut pas malheureusement connecter les consoles en VGA. J'ai essayé avec la Wii et malheureusement, eh bien ça ne fonctionne pas. En fait, l'image est grise. On est obligé d'utiliser un câble UV ou alors un câble HDMI. Donc il va falloir, si vous investissez dans ce boîtier, eh bien vous arranger pour avoir des adaptateurs. Alors maintenant il en existe pas mal hein, pour tout ce qui est Xbox première du nom, PS2, GameCube, etc. Il y a pas mal d'adaptateurs qui permettent de les brancher en HDMI. Mais pour ce qui est des très très vieilles consoles qui sont en VGA ou en Péritel, eh bien je sais pas du tout comment faire. Je ne sais pas s'il y a des solutions qui existent. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça rendra service à tout le monde. Et puis moi, si je suis amené à faire les tests, vous inquiétez pas, je mettrai à jour la description ou les commentaires pour vous tenir au courant. On peut du coup aussi venir se brancher en UV, puisqu'il y a les 5 petits connecteurs justement UV. On a aussi un port HDMI, on en a même deux. Pourquoi? Puisqu'il y a le port HDMI qui nous sert à venir connecter la console dessus, et ensuite il y a le port HDMI qui nous sert à venir se connecter à la télé, puisqu'en fait le boîtier sert d'intermédiaire. En fait, on vient brancher la console au boîtier et ensuite le boîtier à la télé, et du coup le signal est enregistré entre les deux. Ça vient juste finalement couper la connexion entre la télé et la console et venir enregistrer eh bien tout ce qui passe à travers le câble. Et donc c'est pour ça qu'on a deux ports HDMI, on a aussi un port LAN, donc bah celui-là c'est pour pouvoir faire les mises à jour, etc. Et ensuite un port DC-in qui nous sert à venir brancher l'alimentation. Alors le port LAN ne sert pas qu'à faire les mises à jour. Logiquement, à ce que j'ai vu, il y a aussi moyen de ne pas utiliser de PC et de directement uploader les vidéos sur YouTube. Il y a un logiciel de montage à l'intérieur. Il nous reste aussi dans le carton, mais ça pue vraiment le parfum, c'est incroyable. J'ai envie de dire heureusement, j'allais dire dommage, mais heureusement que vous n'ayez pas les odeurs, c'est vraiment fort comme odeur. J'ai eu le souci sur un boîtier de Blu-ray, mais qui puait le parfum, c'était nauséabonde. J'ai été obligé de le jeter, clairement, parce que je l'ai laissé dans mon garage pendant un mois ou deux, voir si l'odeur partait. Elle n'est jamais partie, je l'ai désinfecté, etc. Attends, l'odeur a resté, c'était infernal. C'était un peu pire que ça quand même.
Mais c'est, je sais pas ce qu'ils font les gens avec, c'est incroyable. Alors ici on a une petite télécommande. Je sais pas s'il y a des piles à l'intérieur. Il y a des piles à l'intérieur et elles n'ont pas l'air d'avoir coulé. Donc c'est nickel. Donc petite télécommande, voilà, pour télécommander à distance le boîtier. On a un câble HDMI avec, le petit boîtier d'alimentation. Et puis voilà, c'est tout. Ça c'était le petit carton du coup pour le boîtier d'alim. Je sais pas si logiquement d'origine, il y a le câble HDMI avec. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a le câble HDMI avec. En fait, du coup, à l'intérieur, il doit y avoir même deux manuels. Donc ce que je n'ai pas, ici, il y a le manuel utilisateur et le Quick Installation Guide. Donc je ne l'ai pas dans la boîte. Je pense pas franchement que ça va m'empêcher de l'utiliser. Donc bah c'est parti, on branche ça à la télé et puis on va tester du coup la Wii de vide-grenier dont je vous mets la vidéo juste ici, directement à l'écran. Donc ma Wii là je l'ai branchée en Youve, j'ai un câble spécial qui s'adapte du coup à plusieurs consoles, c'est un câble qui s'adapte sur PS3, Wii et Xbox 360 et ensuite la connectique ressort en Youve comme ça et c'est très pratique. Donc on va venir du coup brancher comme ceci. Donc ensuite on vient connecter l'HDMI sur out et puis ici on va pouvoir mettre le câble d'alimentation comme ceci. Maintenant il me reste plus qu'à allumer du coup le boîtier. Je vais directement utiliser la télécommande. Là il nous signale qu'il n'y a donc pas d'entrée vidéo ni audio. On allume. Donc là on a directement l'écran d'accueil qui se met. Et donc on arrive là-dessus. Pour lancer un enregistrement, je pense qu'il suffit d'appuyer sur le bouton REC de la télécommande. Donc si j'appuie sur REC, logiquement, l'enregistrement devrait se lancer. Et on a le petit cercle rouge qui vient de s'allumer sur l'AverMedia. Alors je vais vous le montrer. Et l'image saute. Alors ça doit peut-être être au moment de l'enregistrement. Et ici, comme vous le voyez, au niveau de l'AverMedia, on a ici le petit voyant d'alimentation. Le voyant qui nous dit si c'est le disque dur ou la clé USB qui est utilisée, donc là c'est le disque dur. Et ici le petit voyant rouge qui clignote, et ben c'est pour signifier que l'enregistrement est en cours. Donc on va pas faire un enregistrement trop long, ça sert à rien, c'est juste pour voir si ça fonctionne. Et après on va voir et bien comment on peut du coup bidouiller cet enregistrement, voir si on a des possibilités différentes ou non. Donc là c'est en traitement, je vous demande de patienter. Bon, du coup on va faire menu pour aller voir cet enregistrement et voir ce qu'on peut faire avec. Alors ça c'est juste un message d'avertissement. Ok, fermé. Donc là ici on arrive au niveau des enregistrements. Donc le dernier que j'ai fait c'est celui-ci. On va voir ce qu'on peut faire avec. Alors si je clique sur OK, ça va simplement je pense le lire. Voilà, donc là c'est simplement un mode de lecture. On ne peut rien faire de spécial, le mettre en boucle, etc. On va faire retour, on va voir les différentes options qui sont censées y avoir. Donc il y a F3 pour rédaction, alors je ne sais pas ce que c'est. On va cliquer dessus, changer le nom du fichier, partager sur YouTube, d'accord. Alors on peut modifier l'enregistrement, donc ça doit être ça, leur système de montage vidéo. Étape 1, appuyer sur au bas ou lecture pour trouver une scène. Étape 2, marquer le segment à modifier. Ah, donc on peut sûrement donc, faire des cuts. Et donc voilà, on a accès à un mode d'édition, c'est appelé comme ça. Et on peut se déplacer avec... donc ici, on peut directement choisir le timecode. Ce qu'on va faire, on va faire un test. On va se mettre à 0.11. On va marquer en cliquant sur OK. Ça n'a pas l'air de marcher. Donc ça, c'est déjà... C'est un bon point. C'est que c'est génial comme truc. Quand j'appuie sur OK, ah voilà, alors faut bien appuyer sur OK, faut vachement insister, d'accord, et ensuite on peut du coup donc se déplacer, on rappuie sur OK, voilà. Donc là on a le segment de la vidéo qui a été défini, on va du coup voir ce qu'on peut faire avec, je pense donc on peut le supprimer, et c'est tout ce qu'on peut faire. Donc là il a été supprimé, mais je peux aussi recliquer sur OK pour le faire réapparaître, donc là il a été supprimé. Et est-ce qu'on peut, donc on peut sûrement voilà, faire un autre marquage, on va marquer par exemple ici. Alors faut pas être pressé, hein, ça rame pas mal, et puis c'est pas très très maniable avec la télécommande, et donc ici on va refaire une marque. On va venir choisir
le segment, donc celui-ci, pourquoi pas, voilà, on va le supprimer. Puis bah, maintenant on va faire un export, on va tester. Alors on va cliquer sur F3 pour réaliser l'export. Voilà, alors confirmer la vidéo et appuyer sur OK pour l'exporter ou retour à l'édition. Bah, nous on confirme et on peut faire du coup eh bien exporter. On va faire OK. Bon alors là je viens de brancher le câble réseau, du coup on va faire l'export vers YouTube. On va voir si ça fonctionne. On va dans l'option partager YouTube, ici on confirme. Donc il est bien connecté. Utilisez un ordi ou un dispositif mobile pour compléter les étapes suivantes. Ils aiment bien parler en abrégé, c'est pas mal. Ils auraient pu marquer ordinateur en complet, mais pourquoi pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller sur mon téléphone. Et là, je vais pouvoir donc cliquer sur google.com device, comme c'est demandé. Et là, il me demande de saisir le code donc, eh bien, qui est à l'écran. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, le code est rentré. On va faire suivant. Donc là, il me demande de sélectionner le compte YouTube que j'ai envie d'utiliser. Donc bien entendu, c'est le Herman.fr, la chaîne YouTube Herman.fr. Et donc, il me demande de vérifier, tac, 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 accéder à votre compte. Donc j'autorise forcément l'accès de l'application. Et maintenant, je peux continuer sur mon appareil, apparemment. Donc on va voir. Et bien, en effet, donc, ça a fonctionné. Authentification YouTube complétée. Parfait. Allez dans l'éditeur vidéo de YouTube si vous voulez faire un montage supplémentaire. Donc on va faire commencer l'envoi, on va essayer, donc à faire, ça va faire un test. Donc c'est pas mal parce que ça permet de venir faire bon, un petit montage à l'avance, de supprimer des séquences qui sont pas forcément intéressantes. S'il y a des gros blancs, des séquences de gameplay que vous n'avez pas envie d'envoyer sur YouTube, bah, ça permet de vachement réduire la vidéo, ça évite d'envoyer des données pour rien, surtout si après vous venez faire une réédition sur le logiciel d'édition du YouTube Studio, bah, ça sert du coup à rien d'envoyer trop de données. Donc voilà, ça peut permettre de faire des petits cuts. C'est forcément pas ultra précis. C'est pas extra, c'est très fastidieux. Surtout avec les télécommandes. Le logiciel en lui-même est assez simple d'utilisation, mais c'est assez fastidieux de faire le montage vidéo avec la télécommande. Mais ça se fait quand même. Donc si vous n'avez rien d'autre, c'est toujours ça de prix. Et par contre, bah, en global, le produit est plutôt pas mal. Pour 60€, bah, moi j'en suis content. Par contre, j'aurais pas mis clairement 120€ là-dedans. Ça les vaut clairement pas. C'est pas du tout abouti. Donc ça aurait été un petit peu abusé de... Enfin voilà, j'aurais pas payé ça 120€. C'est vraiment, vraiment trop cher. Bon alors là, le débit est vraiment tout pourri. Bon, bah, ça c'est dû à ma connexion. On se retrouve à la fin, du coup, pour voir si ça a fonctionné. Bon, bah, la vidéo a été envoyée avec succès. Je vais aller voir sur mon YouTube Studio si elle apparaît. On va directement faire ça sur l'application. Alors donc, le verdict. Alors là, vous voyez les stats de la chaîne. En tout cas, c'est cool. On a pas mal monté en abonnés. On est à 369 à l'heure où je fais la vidéo. Et la vidéo a bien été postée. Elle est ici. Et bah c'est cool. Voilà, donc ça fonctionne. Hop. L'application YouTube s'ouvre et ça fonctionne. On peut la lire. Alors par contre, le format d'enregistrement là, c'est en 4 tiers. C'est un peu bizarre puisque pourtant sur mon écran c'était bien en 16/9. Alors c'est peut-être un réglage qu'il doit y avoir à faire soit sur la Wii, soit sur la Vermedia. Mais c'est peut-être ma télé en fait qui vient déformer l'image de la Wii pour la mettre en 16/9. Et peut-être que la Wii n'est pas réglée en 16/9. Donc ça c'est un truc qu'il faudra que je regarde. Mais en tout cas ça fonctionne, ça a fait l'enregistrement, ça a posté. Bon bah c'est plutôt cool. Bon. Et bah c'est plutôt pas mal comme appareil. Alors je fais la conclusion de cette vidéo un petit peu plus tard. Je pense que vous l'avez remarqué, la barbe a un peu poussé et les cheveux aussi. J'ai essayé de vous leurrer avec le même t-shirt, mais je pense pas que ça va passer. Donc voilà, moi j'ai eu le temps et bah, de l'utiliser un petit peu ce boîtier, faire différents types d'enregistrements, notamment des gameplays sur Switch. Et voilà, la qualité d'image bah, est top, hein. Ça enregistre en 1080p et donc c'est très bien. J'ai fait aussi des enregistrements sur la Xbox 360 et pareil, eh bien, c'est plutôt cool. C'est un bon boîtier. Voilà, j'en suis du coup très content pour le prix. Après, le petit souci par contre que j'ai rencontré, c'est lorsque j'ai fait l'upload de la vidéo sur YouTube, j'avais pas fait attention à ça et en fait, eh bien, elle est directement arrivée sur ma chaîne en public. Ça, c'est un petit peu con. Je sais pas du tout s'il y a des paramètres.
voilà, à régler pour éviter que ça soit diffusé directement en public. Parce que si on a envie de faire des retouches et tout, faut du coup directement la repasser en privé. Mais sauf que vu qu'elle est arrivée en public au début, bah, les notifications ont été distribuées. Donc c'est un petit peu con. Je pense qu'après, quand on la remet en public, bah, il n'y a plus de notifications. Donc ça, c'est vraiment un truc un peu dommage. Faut voir s'il n'y a pas moyen de modifier ça. Mais en tout cas, dans l'ensemble, eh bien, l'appareil est plutôt cool. Pour 60 euros, moi j'en suis très satisfait. Comme je vous le dis, j'aurais jamais mis 120 balles là-dedans. Encore, il y aurait eu le disque dur à l'intérieur, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment le boîtier nu, sans aucun moyen de stockage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter. Et du coup, à me poser toutes les questions que vous avez envie. J'y répondrai avec plaisir. Mais le plus important, et ce qu'il ne faut surtout jamais oublier, c'est que dans la vie, vos seules limites, ce sont vos idées. Et moi, je vous dis à bientôt. C'est bien comme conclusion, hein. On s'arrête là. Allez.